Allez, là, dans cette rubrique, on vous présente justement quelques petites vidéos des réels. Hein. Oui, c'est un petit peu la mode en ce moment, les réels, avec des petites capsules vidéo qu'on réalise, réalisées par l'ensemble de l'équipe de la place du village. Et nous sommes bien le 31 mai. Regardez à côté de moi, justement, je file de Paris, ce qui était du côté des saisies en Savoie ce matin. Et vous pouvez voir, eh ben oui, il neige. Oui, non, mais nous sommes bien le 31 mai. Ce matin, à 1941 mètres, du côté des saisies, la neige a fait son retour en fin mai, alors que l'été s'annonce dans 21 jours. Donc l'hiver qui porte donc de l'été en montagne, voilà, on peut le dire, sur ces images. Voilà donc pour cette vidéo réalisée ce matin par Philippe de Paris. Également aussi de la neige. On va donc cette fois-ci parler de Val Thorens en Savoie, toujours cette fois-ci à 2350 mètres d'altitude. Regardez sur cette webcam, donc fait du côté de Valto. Et oui, la neige a fait son retour. On va peut-être ressortir les skis pour le mois de juin. Voilà donc des précipitations et surtout la baisse des températures très importante durant ces derniers jours. Vous avez pu également ressentir. Hein, donc on porte toujours un bon petit pull et une bonne petite veste quand même pour sortir. Et puis également ces images que je vous propose de retrouver. Regardez juste à côté de moi. Et oui, un loup au cœur de Chamonix. C'est dans les rues des Bossons à Chamonix en Haute-Savoie. Voilà ce loup qui se promenait. Il y a le train qui passait justement. Et voilà, donc il s'est comme arrêté. Et ensuite il a continué son chemin. Voilà, on peut voir. Il continue son chemin, le loup, pour parcourir. Voilà, il y a beaucoup de loups. Hein. Il y en a de plus en plus à travers notre région des Pays de Savoie. Et on voit le loup juste à côté de moi. Voilà, revenir. Carrément, voilà, il se promène hein, tranquille. Bon, il n'y a personne, il a un petit peu de la chance. Donc, personne n'a pu l'attraper. Hein. Donc, voilà, c'est pour cette vidéo qui était faite durant ces derniers jours à Chamonix, en Haute-Savoie. Et puis également, ces images, c'était hier, et oui, avec le déneigement du col du Petit Saint-Bernard. Une vidéo faite par Philippe de Paris avec une épaisseur de neige record en cette année 2024, et on voit les engins. Ça, c'est des engins que j'adore admirer. Vous avez vu les engins magnifiques qu'on a pour pouvoir assurer le déblaiement des cols. Voilà, bravo à toutes les équipes du département de la Savoie pour le déblaiement des cols qui se sont encore déroulés aujourd'hui. Voilà pour cette petite capsule vidéo. Voilà pour cette rubrique qu'on vous propose tous les jours dans le 19h de la place du village, à retrouver du lundi au vendredi.